Bonsoir à tous, bienvenue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris pour un concert de jazz donné par les étudiants du département jazz et musiques improvisées avec la participation du saxophoniste Rick Margitza. Chaque année, le département jazz et musiques improvisées se donne une thématique de travail qui traverse toutes les disciplines et pour cette saison, le thème porte l'intitulé « A Love Supreme, Jazz, Improvisation et Spiritualité ». Ce concert s'inscrit ainsi dans une série d'invitations à des musiciens proches de cette thématique à divers titres, comme le guitariste Kurt Rosenwinkel, le batteur Simon Goubert et le bassiste Matthew Garrison. Cette semaine, le conservatoire recevait ainsi le saxophoniste américain Rick Margitza pour une classe de maître qui se referme aujourd'hui avec ce concert donné par les étudiants du département, parmi lesquels le saxophoniste Pierre Carbonneau était délégué pour assister Rick Margitza. On en parlera avec eux tout à l'heure. Mais nous allons tout de suite laisser la place à la musique avec deux premiers titres. Tout d'abord, Resolution, c'est une composition de John Coltrane qui figure en deuxième volet de l'album Love Supreme, enregistré par le quartet du saxophoniste en décembre 1964, mais que vous entendrez ici avec une introduction un petit peu particulière. Vous en saurez davantage dans quelques minutes. Et puis, ensuite, ce sera Chasing the Train, un sommet de l'œuvre de Coltrane conçu dans l'improvisation, en trio, sans piano, au Village Vanguard à New York en novembre 1961. Pour Resolution, nous accueillons les saxophonistes Pierre Carbonneau et Rick Margitza, le pianiste Charles Acer, le bassiste Baptiste Archambault et le batteur Timothée Garçon. Et pour Chasing the Train, nous accueillerons le tromboniste Balthazar Bodin, le pianiste Levi Harvey, Baptiste Archambault de nouveau à la basse et le batteur Aurelio Palladini. Thank you.
Thank you.
Bonsoir Pierre. Bonsoir Arnaud. Je crois que vous avez un petit message pour nos spectateurs et auditeurs ce soir. Oui, alors, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci à Rick pour ces 3 jours de masterclass enrichissants, à Ricardo pour sa bienveillance et son aide, à tous les musiciens ici ce soir pour leur belle énergie et à la production pour leur disponibilité. Merci à vous, spectateurs présents derrière vos écrans. Nous aurions préféré, bien sûr, partager cette musique dans cette salle en face de vous. Je suis très heureux d'être ici ce soir et que l'on puisse jouer ce répertoire en hommage à John Coltrane. Coltrane a été pour moi, et comme beaucoup d'entre nous ici, je pense, une grande source d'inspiration musicale et humaine. Je vois en Coltrane un artiste total, porteur d'un projet et d'un message de paix, d'amour et de compassion. A Love Supreme en est l'expression la plus aboutie. Nous en avons joué d'ailleurs un extrait ce soir, c'était Resolution. La thématique du département jazz du CNSM cette année porte sur la spiritualité dans le jazz. Coltrane, musicien d'inspiration mystique, nous offre l'une des plus fortes illustrations de cette relation entre le jazz et la spiritualité. Mystique, car il témoigne d'une expérience divine, individuelle et ineffable. Il dit avoir vu Dieu. A Love Supreme est le témoignage musical et poétique de cette rencontre. Mystique et non religieux, car sans aucun prosélytisme, sans aucune intention de véhiculer un dogme. Évidemment, Coltrane est de culture chrétienne et beaucoup de ses mots appartiennent au vocabulaire de cette religion. Mais ce qu'il appelle Dieu dans Love Supreme n'est pas le Dieu de la religion chrétienne. Alors en quoi aujourd'hui Coltrane peut-il inspirer des jeunes musiciens n'ayant pas vécu dans le même contexte que lui, ni avec les mêmes inspirations religieuses? La quête de Coltrane est la nôtre. Un besoin de transcendance et à travers la musique, une aspiration à quelque chose qui nous dépasse. C'est, je pense, un besoin pour l'homme de donner un sens à sa vie, d'élever son existence au-dessus de lui-même. Je vois et ressens en jouant cette musique une façon d'échapper au quotidien, de partager une émotion indicible, de chercher un état où le temps s'arrête et où l'âme s'exprime. C'est une musique où on joue ce que l'on est. L'acte d'improviser est spirituel en lui-même, car c'est une manifestation spontanée et collective de l'esprit. Un acte lui-même nourri par le travail et la personnalité de chacun. En jouant, il nous arrive d'atteindre une vibration commune où l'on se dépasse et où les choses ne s'expliquent pas toujours. C'est dans ces moments que s'exprime notre aspiration à quelque chose qui nous dépasse. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose, peu importe son nom. Coltrane le nomme Dieu. Chacun y voit ce qu'il veut et le nomme comme il entend. En écoutant ce concert, à vous, spectateurs, de nommer ce que vous ressentez comme vous le souhaitez. Je souhaiterais finir sur une citation de John Coltrane. Le jazz, appelons-le ainsi, est selon moi une expression des idéaux les plus élevés. Par conséquent, il contient de la fraternité. Et je crois qu'avec de la fraternité, il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas de guerre. Nous espérons pouvoir faire passer cette fraternité ce soir à travers vos écrans. Dans ces temps où les corps sont séparés par le couvre-feu, par le confinement, nous espérons que c'est par la musique que nous pourrons nous rencontrer et nous retrouver spirituellement. Thank you.
Thank you.
Thank you.